A chica. ¡Hola! Voilà. Ah, je suis en train de me dire mais où ça mène le truc, mais en fait ouais, c'est ici, il y a des terrasses. Ça va? Rex. Merci hein, Rex. Oh non, je me suis fait toucher. Curie, t'es où? Bon bref. Un bruit. C'est quoi ça? C'est rien. Regardez, les gars. C'est immense. T'as la meuf, tu sais, elle débarque comme ça. Regardez, c'est immense. Rex. Merci de nous avoir sauvés. On peut dire que c'était moi. Au pied, Rex. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette tour? Je me suis dit que si les super mutants ne venaient pas à la culture viendrait à eux. J'essayais de les civiliser. Je pensais qu'en leur faisant entendre toute la majesté de Shakespeare, leur vision du monde serait bouleversée et ils seraient transformés à jamais. Et qui mieux que Rex Goodman, le plus grand acteur de notre époque, pouvait leur faire découvrir les mille et une merveilles de l'œuvre du grand dramaturge? En tout cas, je vous suis extrêmement reconnaissant. J'aimerais pas du tout un ego, hein. Ceci. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pense qu'il est grand temps que je quitte définitivement cet endroit maudit. Je retourne à WRVR pour reprendre ma carrière à la radio. D'accord. Cherche l'aide tendresse humaine avec Strong. Pourquoi tu veux trouver ce lait de la tendresse humaine, au fait? Lait est secret des humains. Macbeth dit que lait rend humain fort. Plus fort que super mutant. Strong trouve lait. Bois lait, rend super mutant plus fort qu'humain. Vous avez écouté Uranium Fever par... Viens avec moi. Ah, Elton Briggs. Voilà. Oui, je tiendrai ma promesse. Bien. Strong voyage avec toi. Chef, aide Strong à trouver lait de tendresse humaine. Strong... apprends secret des humains. C'est incroyable de pouvoir observer un super mutant d'aussi près. Sans que tu arrives. Voici une sorte de message. Mais non, je plaisante. Vous avez besoin de moi, madame? Comment ça va? Comment vas-tu? J'ai envie de repartir à la découverte du monde. Je suis tentée de le faire seule, mais c'est trop dangereux. Mais j'ai trop envie de faire. Nous aurons l'occasion de repartir à l'aventure ensemble. Dans l'intérêt de la science, bien entendu. Moi, j'ai trop plus envie de faire. J'aimerais que tu m'accompagnes. Dans ce cas, allons. Bien. En femme de métal écrabouillée, reviens voir Strong. Ne vous inquiétez pas, monsieur Strong. Je ne rouille pas si facilement. Ça, c'est pareil. J'hésite, je l'envoie où lui? Sanctuary Hills? Ouais. Strong. Dès que je peux, je les envoie tous à Diamond City. Dès que je les ai tous débloqués. Tu sais, ouais, tout le monde à Diamond City, le truc. Bon, bah nous, on se re-téléporte vers le truc. Hein, le reste, on fouillera une autre fois. Parce que je veux trouver qu'est-ce que c'était l'autre personne qui appelait à l'aide. Ouais, je préfère Curie pour le moment, parce que c'est drôle de voyager avec elle, je trouve. Plus. Mais c'est pas mal, hein. On découvre des compagnons et pas forcément des robots. Là, un super mutant, hein, c'est pas... Strong. Et ce que j'aime bien, c'est les interactions entre les compagnons. C'est pas mal qu'ils causent aussi entre eux. Bon, on n'a pas trop eu d'interaction entre Curie et Cordworth. Ça aurait été drôle. Bon. Mais franchement, c'est dommage qu'on puisse pas avoir de compagnons. Mais bon. Bonjour.
Attends, c'est par là-bas. J'étais en train d'essayer de me repérer, désolé. Moi, bon, c'est où? Est-ce qu'il y a toujours la personne qui appelle à l'aide? Non? Non, il y a plus la personne qui appelle à l'aide? Si. Mais elle est où la personne là? Aidez-moi, je vous en prie! Ouais, bah je voudrais savoir où t'es. Au secours, elle est blessée! Attends, je dors quelques heures. Elle va mourir, elle a besoin d'aide! Oui, j'arrive, des secondes. Je pense que c'est dans la ruelle de l'autre côté. Bonjour. Vous êtes là, madame? Poste d'armure assistée, ok. Non, mais j'essaie de voir où elle est, putain, mais ça, c'est pas pratique. Ouais. Bonjour. Non, c'est pas là. Mais putain, elle est où? Non, mais... Oh, mais c'est une blague. Ou quoi, là? C'est un bug, je sais pas. On va aller ici juste pour voir. Non mais c'est génial, il y a quelqu'un qui appelle à l'aide mais j'arrive pas à trouver où c'est. Ah, le truc bien chiant quoi. Tu veux faire quelque chose mais tu vois pas. Par ici, dépêchez-vous. T'es ici? Ah, c'est là. Et à moi, Minus. Ouais, je m'en doutais que c'était un piège. Je sais pas pourquoi, mais... C'était pas drôle. Hé. Hey. La porte se ferme pas derrière moi. Hé, hey, démo. J'ai pas fini ta démo. T'as pas le droit de crever. Ah, salut meuf. Fallait pas se foutre de ma gueule. Ah, c'est vrai qu'on peut pacifier aussi les humains. Ouais. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant? J'ai trouvé cette personne. Ah, c'est Trevor Phillips. Bonjour. Bon ben voilà, on a tué ces gens. Qui ont essayé de nous piéger. C'était mal nous connaître. Bon ben voilà. Ça c'est fait, salut, au revoir, hein, à la prochaine, non? Il y a quelque chose ici? Non. Pas l'impression. Le verrou tient bon. Ah ah. C'est un verrou. Ouais, il aurait pu être Vébrin, mais non. Non, mais le vieux piège... Eh, hey, venez nous aider, venez, venez. En fait, on est des pillards. Voilà. Ça me rappelle, ouais, Resident Evil, il y avait dans l'un des Resident Evil de Paul Anderson, il y avait aussi ce même coup. Sauf que là, il y avait des zombies, putain. Quand ils marchaient encore, les zombies.
et qui courait pas. Bon. Allez, on va s'approcher de la porte. On va enfin arriver à Diamond City. Ok. Aïe, pardon. Ça, on l'a déverrouillé, ouais, c'est bon. Bonjour l'étoile. Ouais, c'était là où j'étais. Ah ouais, putain, j'avais pas vu ce truc. Désolé, j'ai rien à vendre. Je vais à l'abri 81 pour me réapprovisionner. Vous trouverez peut-être ce qu'il vous faut là-bas. Mais j'y suis déjà. Allez. Restez pas là. Eh ? Restez pas là. Ouais, c'est pas mal, un marchand d'armes, mais bien sûr, il faut qu'il vendrait, hein, que je puisse pas discuter avec lui. Bon, il va à l'abri 81, on y est. Excusez-moi. On a de l'eau purifiée en ville. C'est la meilleure boisson de tout le Commonwealth. Comment ça, vous pouvez pas ouvrir la porte ? Arrêtez de vous foutre de moi, Danny. Je suis en terrain découvert, là, bon sang. J'ai reçu l'ordre de pas vous laisser entrer, mademoiselle Piper. Je suis désolé, je fais juste mon travail. Vous faites juste votre travail. Alors maintenant, pour protéger Diamond City, il faut me laisser dehors, c'est ça? Attention, c'est la journaliste qui fait si peur à tout le monde. Je suis désolé. Ouais, je la sens bien. Diamond City, c'est le petit truc, là. Et je suis sûr c'est plus grand à l'intérieur. Désolé. Et ma mère est vraiment foudrage, Piper. Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un ramassis de mensonges. Toute la ville est sans dessus-dessous. Bon, ça suffit. Ouvrez-moi tout de suite cette porte, Danny Sullivan. J'habite ici, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer. Je peux patienter toute la journée s'il le faut, Danny. Ouvrez. Alors, j'ai un putain d'informations. Personne n'est occupé. Vous, là. Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai? Quoi? Qui êtes-vous? Chut, chut. Jouez le jeu, d'accord. Ah, mon Dieu. Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy? Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois? Ça alors? Vous avez entendu ça, Danny? Alors, vous nous laissez entrer, ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrna que c'est de votre faute si elle a pas toutes bon, ses provisions? D'accord. Mais c'était vraiment un coup bas, Piper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite, avant que ce bon vieux Danny ne comprenne que c'était du bluff. Cet endroit-là, Diamond City, qu'est-ce que c'est? Ah, le diamant vert. C'est une ville qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie. Tous les gens importants du Commonwealth se sont d'ici, s'y sont installés ou en ont été virés. Un grand mur, de l'électricité, le tout à l'égout, des écoles et même des gardes. Diamond City, on l'adore ou on la déteste. Vous aurez bientôt l'occasion de vous faire votre propre avis sur la question. Allons-y. Piper, ok. Qui vous a laissé entrer? J'avais pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée. Espèce de petite fouille merde. Le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant. Je vais faire saisir votre presse pour la vendre en pièces. Salut, maire McDonald. McDonald. Puis-je vous citer, monsieur McDonough? Le maire tyrannique veut museler la... Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression? Parce que notre maire souhaite l'acheter à la poubelle. J'ai toujours défendu la liberté de la presse. Sans information libre et impartiale, les décisions de l'électorat ne peuvent qu'être faussées. Non, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mademoiselle. Non, 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 non. Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous. Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth. Oh, le maire qui essaye de se rattraper. Un choix excellent. J'aime bien curer, elle a aimé. Ou même, si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ses idées tordues en tête. Pourquoi vous vous prenez le bec tous les deux? À votre avis? Si le journal ment, tout le monde est content, mais dès qu'il commence à dire la vérité. Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise? Je cherche quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un? Qui donc? Mon bébé, Sean. Il a même pas un an. Attendez. Votre fils a disparu? Vous entendez ça, McDonough? La sécurité de Diamond City va rester les bras croisés pendant que cette femme cherche son bébé toute seule? Ne l'écoutez pas.
Évidemment. Méchant qu'il va y avoir le coude. Incapacité d'enquêter sur la totalité des affaires qui leur sont soumises. Mais je ne doute pas que vous trouverez de l'aide en nos murs. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Diamond City offre tous les services possibles et imaginables. Nul doute qu'un de nos excellents concitoyens trouvera le temps de vous aider. Mais je suis content, on rencontre le maire, hein. Ouais. Enfin, je suis surtout content, il y a un maire. Parce que c'est vrai que dans Fortune City, il n'y en avait pas, mais bon. Le maire d'une ville comme celle-ci doit connaître tout le monde. Qui serait le plus à même de m'aider? Eh bien, il y aurait bien l'un de nos concitoyens, Nick Valentine. Une sorte de détective privé, dont la spécialité est de retrouver des gens. Le plus souvent, ceux qui cherchent à disparaître pour ne pas régler leurs dettes, ce genre de choses. Bien, je dois y aller. Je regrette que la sécurité de Diamond City n'ait pas le temps de vous aider, mais je pense que les tarifs de Monsieur Valentine sont tout ce qu'il y a de plus raisonnable. C'est ridicule! La sécurité de Diamond City ne peut même pas envoyer quelqu'un pour aider. Elle, je l'aime bien, Piper. Par contre, Piper, ça me rappelle le nom de la journaliste dans la série Scream. Dernier avertissement. Continuez comme ça et vous aurez des ennuis votre soir. C'est ça, continuez de parler, McDonough. Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon. Impressionnant. Sauf que c'était la méchante, en fait, Piper, dans la série Scream. Des informations à McDonough. Et si vous passiez à mon bureau en revenant de chez Valentine? Je crois bien que j'ai trouvé mon prochain article. Le scoop du siècle. Piper, il faut d'abord que je vérifie deux ou trois petits trucs. On parlera plus tard. Intéressant. Ah, j'aime bien là, cette quête, ça m'intéresse déjà pas mal là. Limite, ça m'emballe plus que la quête principale de New Vegas. Je dois vous avouer, oh, la quête principale de New Vegas. Ah, ça volait, ça... Alors, le jeu, globalement, je préfère New Vegas. Même si New Vegas, sa quête principale, je la trouvais la plus bof, en fait. Celle-là m'intéresse déjà plus, et celle du 3 aussi, j'avais bien aimé. C'est l'un des points positifs du 4, c'est la quête principale fait rêver. Bonjour, Danny. Vous êtes Sullivan, c'est bien ça? Alors, c'est vous qui apportiez des marchandises, à en croire Piper? Quelque chose me dit qu'elle m'a encore enfumé, pas vrai? Ce n'était pas des blagues. J'ai toute une caravane pleine de marchandises qui devrait arriver demain. C'est vrai? Vous vous moquez pas de moi? Dans ce cas, je vous réserve tout de suite des pièces pour réparer la porte. Tenez. Enfin bref, bienvenue à Diamond City et toutes ces choses. Putain, comme je l'ai entendu. Retournez travailler. Bonjour, toi. Excusez-moi. Oh, t'as un look. Salut. Mais j'ai trop envie d'avoir leur tenue, en fait, hein. Non, non, non. Désolé. Petite tendance. Je peux emprunter cet ascenseur, bien sûr. Salut. Désolé, Curie. Prudence. Je vous ai préparé des médicaments. Si oh, vous en merci. Avez c'est gentil. Un avis sur la situation? Permettez-moi d'observer et d'analyser un maximum de formes de vie indigènes. Dans un but scientifique, bien évidemment. C'est tout pour l'instant. Aucun. Nous allons assister à ce match de baseball? Comme c'est excitant! N'empêche, je prends quand même un ascenseur, là. Nickel. Bouton d'appel, putain, le gros bouton rouge. Le maire n'est pas d'humeur à parler de ses inepties sur les synthétiques. À moins que vous n'ayez besoin d'un permis d'habitation, je ne peux rien pour vous. Ouais, je vais habiter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de synthétique? Oh non, ne comptez pas sur moi pour vous dire quoi que ce soit. J'aime trop mon travail pour ça. Mais ça fait flipper, putain, ça me rappelle le truc des LMD dans Agent of Shield. Tu sais, les mecs, ils sont parmi nous. Ils sont dans nos rues, dans nos campagnes. Et vous êtes? Geneva, la secrétaire du maire. Je gère le tout venant. Oh putain, il aurait pu en avoir une... On est mal, permis. Nous avons une maison de disponible. Elle se trouve en plein centre-ville, juste à côté du marché. Vous pouvez faire ce que bon vous semble pour ce qui est de la décoration intérieure. Et tous les outils dont vous pourriez avoir besoin pour ça sont fournis sans surcoût. Vous pourriez m'en dire plus sur cette maison? Le précédent propriétaire a acheté un entrepôt adjacent et a bâti quelques murs. Alors, elle est plus grande que la moyenne. Et il a laissé tous ses outils. Donc, vous aurez tout le nécessaire pour modifier l'intérieur si vous le souhaitez. J'ai assez de fric? J'aimerais bien, mais je suis un peu à court de fonds ces temps-ci. Eh bien, cette maison ne risque pas de s'en aller. Un autre jour, peut-être.
Bah, il faudrait que je puisse vendre des trucs. Ça serait sympa. J'ai combien en fric? Ouais. Oh putain, c'est vrai que j'ai tout claqué quand j'ai acheté l'autre truc. Bonjour. Attention à ce que vous faites à proximité du maire. Pigé. Je veux pas le buter. Sauf s'il essaye de me buter. Non, j'ai pas envie de... Non, pas parce que c'est illégal, parce que comme je vous l'ai dit, c'est casse-couille. Bonjour. Le mec qui fouille, il est comme ça. Allez, vas-y. Monsieur le maire, mais pourquoi j'ai trouvé ça chez vous? C'est quoi ce vibromasseur? Le mec qui fouille chez le maire, tranquille. Oh, bonjour. Bah, il a pas l'air d'être là, monsieur le maire. Hein. C'est une honte, monsieur le maire. J'aime bien le... C'est une honte, monsieur le maire. Bah, il est pas là. Bon. Bon, bah, on va fouiller Fortune City. On va peut-être aller à la rencontre de Nick Valentine. J'ai envie de continuer un peu la quête principale. Je sais pas pourquoi. Mais d'abord, je vais peut-être aller d'abord à la radio, quand même, si je la trouve. Ça, c'est la quête principale. Sinon, on peut faire aussi un truc avec Piper, on ira chez elle, dans son bureau. Bon, allez, vas-y. Et la petite musique d'ascenseur. Ta-na-na, ça va? Allez, je te fais une pipe. Désolé. Alors, c'est vous qui apportiez des marchandises, à en croire Piper? Quelque chose me dit qu'elle m'a encore enfumé, pas vrai? Une nouvelle chance s'offre à vous. Ce n'était pas des blagues. C'est vrai? Vous vous moquez pas de moi? Dans ce cas, je vous réserve tout de suite des pièces. Tenez. Enfin bref, bienvenue à Diamond City. Oh le bug! Ah ça m'a rapporté des points. Bon par contre, ça m'a pas rapporté des capsules, mais ça m'a rapporté des points d'expérience, donc c'est juste génial. Dès qu'on aura 2000, on achète une baraque ici. Voilà, c'est... C'est mon prochain objectif pour quand j'ai du fric, acheter une baraque ici. Comme ça on peut y vivre. C'est juste classe. Ah, c'est pas mal de visiter un peu la grande ville. On la visite un peu plus rapidement que dans l'autre, hein, New Vegas. C'est clair. Bonjour, alors où est la station radio ? Le maire. Ah ok, on peut monter carrément. Oh ouais. Ah ouais, le truc. Qui contrôle véritablement Diamond City? Vous le saurez en lisant Public Occurrences. Le journal est gratuit pour les étrangers. Comme ça, si l'Institut vous enlève dans la nuit, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Un journal gratuit? J'imagine la qualité des articles. Je rigole pas. L'Institut enlève vraiment les gens. Vous feriez bien de lire le journal si vous comptez rester dans le coin. L'Institut? Vous avez jamais entendu parler de l'Institut, madame? Il enlève les gens la nuit et on n'entend plus jamais parler d'eux. C'est pas les mecs avec les synthétiques? Vous feriez bien de le lire avant qu'ils vous chopent, vous aussi. Qui a disparu? Des vagabonds, des habitants de la ville, même des snobs des gradins. Quelqu'un disparaît presque chaque année. Et on sait tous pourquoi. Alors vous avez intérêt à faire gaffe. L'Institut est parmi nous et il finira par vous avoir. Ouais, non, il mourra pas. Moi, je truffe mes trucs de mines antipersonnelles. Hein. Je te crois. Merci. Vous faites vraiment penser à un agneau égaré dans l'antre du loup, madame. La vérité synthétique. Attends, je veux lire ce truc. Bonjour. Alors, la vérité synthétique. Alors... La vérité synthétique. Alors, on peut examiner? Lire. Octobre, la vérité synthétique. Voilà. Oh putain, c'est illisible.
Ouais, ils auraient pas pu nous mettre autrement parce que moi je. Ah putain, j'arrive pas à lire là. Bon, bah je vous laisse lire si vous y arrivez. Parce que moi je lis pas là. Ah, j'aurais fait l'effort de lire pour le coup. Ah ouais, putain, ils ont fait un sacré article là. Hein. J'ai rien compris, mais voilà. Quel genre d'individu se promène en compagnie d'un robot? Merde, vous n'êtes pas synthétique, hein? Toi, t'y crois? Si quelqu'un ici est une de ces choses, c'est sa secrétaire. Elle est toujours parfaitement coiffée. Ah, ça a l'air génial, hein, le coin. La secrétaire. On va tout fouiller, je vais essayer de trouver la radio. Je lui coupe les cheveux moi-même. Et s'il y a un sujet que je connais, c'est bien celui-là. C'est bien ça le problème, Johnny. Avec ces saletés, impossible de voir la différence. Si tu coupais McDonough avec ton rasoir, il saignerait, mais ça ne prouve rien. Par ici, on appelle votre coupe de cheveux la spéciale récup. Avec quelques petites taches de sang, ça lui donne une petite touche personnelle. Vous devriez penser à vous les faire couper. Pas maintenant. Plus tard alors. Attends, je voulais parler avec l'autre. Salut. Bonjour. Je suis habituée à ce que les pauvres et les demeurés de Diamond City viennent me réclamer quelques miettes. Alors là, j'avoue que les mots me manquent. Votre ton de voix ne me plaît pas. Je vous conseille de filer avant que j'appelle la sécurité. Vous voudriez me priver de votre charmante personnalité ? Faites comme bon vous semble. De toute façon, je n'ai plus rien à vous dire. Oh putain, la grosse conne. N'empêche, ça a l'air sympa le coin. Hein. Bonjour, pardon. Petit. Vous là, aidez mon crétin de fils à comprendre. La secrétaire de McDonough, c'est une synthétique. Oh, un autre docteur. Dites-moi, dans quelle université. C'en est une, aucun. Le mec qui joue le truc. Quelqu'un de sensé. Tu préfères sérieusement écouter quelqu'un que tu connais pas plutôt que ton propre fils? Si la première personne que je croise dans la rue est capable de dire que Geneva est une machine, tu devrais pouvoir le faire toi aussi. C'est toi-même qui viens juste de dire qu'on pouvait pas faire la différence, maman. Et maintenant, tu veux bien laisser mes clients tranquilles? Bonjour, j'ai un fauteuil qui attend juste que quelqu'un s'y installe pour avoir une splendide coupe de cheveux. Quelles sont mes options? C'est vous qui voyez, je fais la barbe, les cheveux longs ou courts, les tresses, les couleurs. Tenez. Ce sera plus simple si je vous montre. Et j'ai justement un fauteuil de libre. Laissez-moi y réfléchir. D'accord, quand vous voudrez. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Vous avez besoin de moi? Non, c'est bon. Oh putain, hey, je pense que c'est l'occasion d'une petite miniature. Ah oui, c'est la classe, là. Voilà, c'est bon. Allez, nickel. Drogue et médicaments en vente libre. Encore un autre dossier à ouvrir. Recommandé par moi-même. Vous avez mal quelque part ou vous êtes là pour nos services de chirurgie du visage? Reconstruction Qu'est-ce faciale. Que vous voulez dire par reconstruction faciale? Ah, c'est la spécialité du docteur Crocker, ça. Si ça vous intéresse, c'est à lui qu'il faut vous adresser. Passez par la porte qui porte notre logo. Bon, si vous avez un problème de santé, je vous écoute. Allez voir le docteur pour lui parler d'opération. Quel genre de traitement vous pratiquez par ici? En général, les étrangers dans votre genre se font soigner pour des blessures ou une exposition aux radiations. Ah, pour leur dépendance à la drogue aussi. J'ai besoin de médicaments, docteur. Voyons ce que je peux vous donner. T'as des steam packs? Ouais. Mais bon, après le problème, c'est que ouais, j'ai pas de fric, donc... Mes soins, alors. Mimosa. Vente de yaourt. Oh putain. Eh, vas-y. Vas-y, je t'ai vendu de la bouffe, mec. Content. Votre structure osseuse est absolument merveilleuse. Vous devriez passer à méga chirurgie un de ces jours. Docteur? J'ai beau être docteur, je dois bien reconnaître que j'ai un petit vice. J'aime boire un petit verre après le travail. Vous avez besoin de nouveaux vêtements? Non mais putain. Vous feriez bien de passer au sous-sol de Fallon's. On est ouvert en journée.
Tout le monde a peur de son nom. Salut Becky. Faut se détendre. Vous habituerez. Putain, comment on sait son nom? De la sécurité de Diamond City. Faites comme salut moi. Solomon. Du principe comment elle connaît son identité? Il arrive un truc moche, on dit ok, et puis c'est tout. Putain, j'aime bien comment elle sait son nom. Salut. Fichez-moi le camp. Vous me dérangez. Excusez-moi. Vous venez d'arriver, hein? Si vous voulez une leçon d'histoire, allez voir Abbott près du mur. Allez, c'est parce que... Si vous voulez gagner du temps, contentez-vous de répondre. Raconte-moi oui. Une blague. C'est allez, c'est parce que... Qu'est-ce que tu racontes? Allez, c'est parce que... Non. Le mec, qui, le robot qui parle japonais, ah, ça l'allait bonne. Ah, détective. Donc je pense que ouais, il y a Nick Valentine pas loin. Et la radio, elle est où? Ouais, je pense qu'elle est dans le coin. Hein. Donc on va essayer de chercher. La radio d'où est mis l'autre. Bonjour le robot. Sont peut-être fermés, mais le surplus de Diamond City est ouvert 24 heures sur 24. Vous vendez quoi? Qu'est-ce que vous vendez ici? Tout, madame. Mademoiselle Myrna s'enorgueillit d'être une collectionneuse de bibelots de qualité, originaire de toutes les régions du Commonwealth. Nous achetons également les objets que vous ne désirez plus. Et nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Trop voyons con. Ce que vous avez. Ce qui se t'as du fric, j'espère au moins. Ouais, non, le mec, il a pas vraiment de fric. Robe d'Agatha. Oh, tiens. Ça, je pourrais la prendre pour une prochaine vidéo. Mes armes. Cyril Hanouna, non. Je les mine, je les utilise pas trop. Ouais, les mines, j'ai pas trop d'utilité, donc je peux en vendre. Voilà. Ça date de l'époque où tout allait bien ? Oui, c'était une belle époque. Il faudrait une clé. Il faudrait une clé spéciale. Vous préférez faire vos emplettes la nuit ? Le surplus de Diamond City est ouvert à toute heure. La question que je me pose, c'est où la radio ? C'est dans le coin, je pense. Réservé au pire dans le quartier du théâtre, la fosse. Je m'en approcherais pas si j'étais vous. What the fuck? Allez voir Abbott près du mur, allez voir le docteur Kroger pour lui parler. Bon bah attends. Vu qu'on a plusieurs quêtes. Voilà, c'est bon. Ça fait pas mal, hein. Ah, ouais. Bon, ah, c'est, ouais, c'est pour les miliciens, ça. Bon, le bureau de Piper, je sais pas où c'est. Faudrait que je trouve aussi. L'école. On peut dormir là-bas. Ouais, je sais pas où est la radio. Il faut que je trouve. Elle est là au moins. Elle est dans cette ville, normalement. C'est la radio de Diamond City. Non. Vous ne croyez pas que vous avez passé l'âge d'aller à l'école? On en a déjà eu une hier. Et nous avons appris beaucoup de choses depuis. Cette interrogation est là pour nous aider à renforcer nos... Putain, ils font l'école la nuit, les gars. Je suis fatiguée, moi. Je détecte une fatigue élevée chez tous nos petits élèves. Cette interrogation peut-être attendre. D'accord, vous avez gagné. L'interro est reporté à plus tard. Ouais. Désolé, les voyageurs n'ont rien à faire ici. C'est une école, pas un magasin. Une école ? Une école, hein. Oui, tous les enfants de Diamond City ont droit à une éducation gratuite ici. Nous proposons même des cours du soir pour ceux dont les journées sont trop chargées. J'ai bien peur que vous n'ayez plus l'âge de suivre nos cours. Les chaises ne sont pas à votre taille. Mais c'est un bâtiment public, alors vous pouvez y jeter un œil si vous en avez envie. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner préparer mes cours. La racine carrée de « j'en ai rien à foutre ». Surveillez votre langage devant les enfants, je vous prie. Je vois que vos parents ne vous ont pas appris le respect. La famille, c'est important, n'est-ce pas?
cette chose que vous appelez la... Désolé, mais j'ai pas compris la question, donc... Je pense qu'ils en ont mais je pensais pas qu'elle dit à ça. Qu'est-ce qu'un robot peut savoir au sujet de l'amour? Je ne sais pas, en fait. J'ai une dernière question avant que vous ne partiez. Il ne s'agit pas d'une nouvelle interrogation surprise. C'est juste que j'ai rarement l'occasion de parler avec des adultes. Cet amour dont j'entends souvent parler, pensez-vous que deux êtres puissent l'éprouver l'un pour l'autre, même s'ils sont très différents? Quand on aime quelqu'un, il faut tout faire pour le garder. Demain, ce sera peut-être trop tard. Merci. Vous m'avez aidé à prendre une décision. Mademoiselle Edna, Les enfants sont comme une famille pour moi. Je suis tellement contente de vous voir grandir et apprendre année après année. Et Monsieur Zwicky, il est comme une famille. Vous avez besoin de moi? C'est comme un mari. J'ai une question. Nous sommes collègues. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Un avis sur la situation? Mes systèmes ont hâte d'enregistrer de nouvelles données. Ce voyage est une expérience très enrichissante. Est-ce que tout se passe bien entre nous? Tant que nous ne mettons pas les pieds dans un abri. C'est tout ce que j'avais à dire. Comme vous voudrez. Monsieur Everett, j'aimerais vous parler de votre rédaction sur l'histoire de Diamond City. Pardon, excusez-moi pour le retard, monsieur. Ah putain, me dis pas qu'elle est amoureuse du prof. J'ai pris un stylo et après, il a vomi sur ma feuille. Et puis j'ai dû... Je voulais vous féliciter. Vous avez fait de l'excellent travail. C'était clair et précis, très bien documenté. Merci. Mais je vous en prie. Vos parents vous forcent à venir ici. Néanmoins, vous allez devoir apprendre à mieux vous organiser. Attention à moi. Vous faites du bon travail quand vous arrivez à le mener jusqu'au bout. Bien. Qui sait compter jusqu'à 3? Des fois, on va en excursion au Science Center. C'est ce que je préfère. Arrêtez de tout se causer en même temps. Je ferai bien d'étudier. La seule matière qui me plaît, c'est la géo. On regarde des cartes et des trucs comme ça. C'est un beau jour pour enseigner, vous ne trouvez pas? Oui, naturellement. Comme je suis content que vous soyez là. C'est vrai? Ce que je voulais dire, c'est que... Salut. Vous savez que c'est à cause des radiations que les Brahmins ont deux têtes? C'est vrai, en plus. Monsieur Zwicky dit que je bavarde trop, alors que je parle presque jamais. Oh putain, je suis bloqué. Mais tu te fous de ma gueule. Mais tu te fous de moi, mais putain. Quatre fruits mutants. Ah. Et ils coupent chaque fruit en quatre. Vous avez besoin de morceaux de fruits mutants, obtiennent-ils? Qui a la solution? Levez le doigt. 16. Henry et Sally ont 20 morceaux de fruits mutants. Allez voir. Et ils n'ont coupé ça chaque fruit partie des normes culturelles admises. Combien de fruits mutants avaient-ils au départ? Allez voir ce que c'est. Je ne peux pas faire ça actuellement. 4. Je m'ennuie. 5. Ils en avaient 5. Bravo. Allez voir. Des mécanismes de sûreté m'empêchent de faire ça. Bon, alors, attends. Bon, je suis bloqué. C'est bon, je suis débloqué, bonjour. Monsieur Zwicky. Vous ne trouverez pas de meilleure école. Enfin, il est vrai qu'il n'en reste pas beaucoup. Monsieur Everett, j'aimerais vous parler de votre rédaction sur l'histoire de... Ouais, attends, je veux te causer. Excusez-moi pour le retard, monsieur. C'est mon chien, il a mangé mon stylo. Non, je vous parlais à elle. Salut Edna. Ne faites pas attention à moi. Je voulais vous féliciter. Vous avez fait de l'excellent travail. Bon, on peut retourner à Diamond City. Précis, très bien documenté. Bon, est-ce que les autres, on peut leur parler? La seule matière qui me plaît, c'est la géo. On regarde des cartes et des trucs comme ça. Putain, mais ils parlent tous en même temps. C'est le chat de l'école. Monsieur Zwicky dit que son nom veut dire taureau en espagnol. Salut, toi. Vous aussi, vous êtes là pour apprendre? Bah, il y a personne qui dit des trucs comme ça. Monsieur Zwicky dit que je bavarde trop. Bon, ok, moi je vais retourner là-haut. Cette fois-ci, j'ai répondu correctement, demandé qu'est-ce que font 12 fois machin, c'est 180.